Et bonjour YouTube, on est reparti pour une deuxième VOD sur notre petit serveur Minecraft. Et bonjour Racletman. Pourquoi Racletman dit enchanté, je suis Amaya? Ah, parce qu'elle est enchantée. Ah, on en est là Racletman. Tu me déçois beaucoup Racletman. Voilà, je vais faire une épée. Tu sors, exactement Pouletto. Trop petite la zone. Ouah, mais elle est pas petite la zone, elle est immense. Il y a tout un lac qui fait 30 000 tours là. Sharpness, nickel. Voilà. Je vais mettre aussi mon armure. Oh, pas en très bon état. Mais on peut la réparer l'armure, non? On va voir s'il y a pas un protection qui peut popper. Protection 1, vas-y, nickel. Projectile, protection 1. Protection 1. Protection 1, voilà. Voilà. Et on va faire un tour dans le Nether. Niveau bouffe, je suis comment? Niveau bouffe, c'est pas la méga joie, hein. On va pas se mentir. Regarde-moi Time. Il est où Dark Omega? On dit Dieu Time, exactement. Ah, salut Kizino! Oh Dieu Time. Oui, appelez-moi Dieu. Alors là, c'est... Alors, ma chère Florine, si t'arrives à faire que tout le monde aille se coucher dans un lit... Tu es la championne. T'as dit quoi? T'as un coffre nourriture, où ça? Oh, mais elle est géniale cette Florine, elle est géniale. Vas-y, poisson cru, mode cuisson. Oh, mais elle m'a fait des baked potatoes. Oh là là, mais que... Eh, mais vraiment, j'ai... Dodo SVP. Ah, vraiment? Alors, je vais mettre un... je vais mettre un mode après qui fera qu'il faut que la moitié... du serveur soit au lit. Devant ta porte en haut à gauche. Ah oui, je te vois, t'es avec les lamas. D'accord. Yo. Eh, il est mort. ou déco, si pas dodo, juste 10 secondes. En vrai, ouais, pourquoi pas. Allez, tous ceux qui n'ont pas de lit, on se déco rapido. Allez, vite. Allez vite, y'a Jackie Zino qui a quitté le game. Dark Omega, tu quittes. Allez vite. Voilà. Ah, ça a l'air de passer, ça a l'air de passer. On est en train de dormir. Let's go, vous pouvez tous revenir. Bien, moi je voulais faire un tour dans le Nether. On va se trouver une petite... un petit donjon. Comme ça, on va pouvoir se faire une petite plantation. Ah, ça commence fort. Ah, ça commence très fort. Allez. Dis donc, ça lagouille un peu là, cette histoire. On va être en train... Vu que c'est la première fois qu'il charge le Nether aujourd'hui. Peut-être pour ça qu'il lagouille un peu. Bien. Maintenant, on va aller trouver une forteresse. Je sais plus si c'est comme avant, les forteresses. Quelqu'un a du bois SVP. Et bah écoute, tu peux peut-être demander à Florine, parce qu'elle a pas mal de bois dans mes coffres, et si tu veux lui donner à ce... tu veux le donner à Dark Omega, il n'y a aucun souci. Sinon, qu'est-ce qu'on a prévu? Oui, moi j'avais prévu que le serveur, il y ait à terme des rôles, des métiers. En vrai, ça serait drôle, tu sais, qu'on ait une sorte de chef des mineurs. Ok Pouletto, bonne nuit. Attendez, je vais noter les coordonnées du portail. Hop là. 36, 84, moins 49. 36, moins 49. Ouais, bah c'est quasiment le 0-0 quoi. Oh, c'est drôle, on dirait une carcasse d'un bestiau géant. C'est génial.
Donc ce qui serait pas mal, ouais, c'est qu'on ait tous chacun, enfin que tout le monde ait un sort de rôle, genre le chef des bûcherons, le chef des mineurs, etc. Et que le jour où t'as besoin de main d'œuvre, on se paye en monnaie. C'est genre, bah tiens, si t'as miné pour moi, etc. Et bah vas-y, je te paye genre 100 pièces le stack de bois, un truc comme ça quoi. Et après, c'est uniquement le chef qui a le droit d'aller vendre. Genre, on va faire. Il y aura un magasin de bois. Il y aura uniquement le chef des bûcherons qui pourra faire la vente du bois quoi. Pour être sympa. T'es comme il a changé le Nether, c'est plus du tout la même, la vache. Alors par contre, je ne sais pas qui est l'imbécile qui s'est dit que c'était une bonne idée que le bloc préféré du Nether, ce soit le machin qui te ralentit de ouf. Et c'est une connerie. Le chef des chefs, ça marche? Non, le chef des chefs, c'est moi. C'est moi le chef, c'est moi qui dis quand on y va. Eh ben, on y va. Il y a des saletés qui marchent sur la lave, mais c'est quoi ces merdes? Ah là, il n'y a plus rien qui va sur Minecraft, hein. Bon, par contre, ma distance de vue, elle est minuscule. C'est vénère, ça, les hommes. Ok, c'est vénère de base. Ils sont jolis, les nouveaux hommes cochons. Le mec, il a une arbalète et tout, c'est stylé. Puis, il y a des arbres du Nether, c'est dingue. Dingue, hein. Ça sera bien que les Endermen restent chez eux. Ah bah, ça, chacun chez soi, hein, et les moutons seront bien gardés. Ah, les hippopotames seront bien gardés. Désolé pour cette faute de référence. Ah bah, je me retrouve dans 2x1. Ah, c'est une petite maison, c'est un studio parisien. Les airs étaient refaits et un peu plein de nouveaux trucs. Je vois ça, je suis complètement paumé. Mais il y a encore des... Il y a encore des forteresses, il y a des facochères. Il y a des Pumbas. Dim redécouvre Minecraft. Ah bah, c'est un peu le concept de la série, hein. Oh merde. Oh merde. Et dis donc, ils sont vénères, les facochères. Ça rime. Facochères et vénères. Oh Pumba. Ça me signifie. T'es des facochères zombies? Bim. Ah ouais, c'est pas commode, ouais, ouais, ouais. Eh ben, j'ai pas passé un bon moment. Que tu vivras ta vie. Je vais pas aller plus loin. Ah mais y'en a combien? Oh, y'a un bébé! Ouais, ils vont me mettre à terre, les facochères, ouais, je confirme. Pumba, tout au calme! Tout au calme! C'est qui que tu traites de porc là? C'est qui que tu traites de porc? On m'appelle Monsieur Porc! Bon, et le bébé homme cochon, il est passé dans le coin là? Avant, ils étaient pacifiques, les hommes cochons. Mais ça, c'était avant. Ah, mais il y a des vrais hommes cochons aussi. Donc ça, c'est les hommes facochères et ça, c'est les hommes cochons. Et les hommes cochons, ils se baladent sur ces merdes. Et il a une canne à pêche avec... Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui s'est passé dans le Nether? Non, mais vous avez pété un câble. Il n'y a plus aucun sens dans le Nether. Oh non, pika pika! Pika Pika, elle a souffert de sa rencontre avec Monsieur Lenderman. Ça fait effectivement porter à confusion. Bah oui, il y a des hommes cochons et des hommes facochères. Ça a galère. Yo. Non mais le mec, il est... Il s'est quasiment cagouflé, le mec, là-haut, là. Il est à couvert! Bro! Viens là, viens là! Mais
Combien? Mais il y a des minerais dans le Nether? C'est de l'or là-bas? Aïe 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 aïe. Tout au calme. T'es qu'ils sont solides en plus. Oh, Gérald est parti. Nous avons perdu Gérald. Pourquoi? D'accord, et ça là-dessous c'est la Netherrack classique. Ok. Y'a de l'herbe qui pousse sur la Netherrack. Qui l'eût cru? Genre ça c'est fertile. Donc attention, nous allons atteindre le moment où Timecut va mourir dans la lave. L'eus-tu cru? De quoi l'eus-tu cru? Voilà, voilà, ça c'est le petit pont. Bah qui l'a cru? Ah, qui l'a cru? Que quoi, qu'un simple Enderman aurait ta peau? Donc j'ai eu quoi là? J'ai eu des gold nuggets. D'accord, ça donne des gold nuggets. Ah bah c'est cool. Au lieu de te faire des lingots d'or tout de suite et tout, c'est sympa. Ça par contre, je suis plutôt pour. Qui l'a cru, l'eus-tu cru, d'accord. Quelqu'un veut une porte, il y en a de trop. Oh oui. Donc Monsieur Dark Omega va devenir notre portier Idame. Yo. Oh la vache, il m'a chargé le mec. Bien. Un bébé. Tuez-le. Ah il me fuit. Il me fuit, c'est pas comme les bébés zombies. C'est des vrais pacifiques. Je vais passer rapidement, mais je ferai une construction bientôt. Ah, avec plaisir. Ah, eux par contre, c'est pas mes potes. Bonjour. Tu veux te ferais pas? Te péfra? Non, ils sont vraiment gentils, eux, hein. J'ai de sa réaction quand il verra un bastion. Ah bah c'est un peu ce que je cherche. Eh oui, oui, oui. De Dieu. C'est un sacré trou. Tu veux que je fasse quoi de tes portes? Moi que tu poses la question. Non mais il y a ces trous maintenant là-dedans là. YOLO. Wouah. C'est passé, c'est passé, c'est passé à peu près. Suivant. Bonjour messieurs. J'ai un petit problème. T'as des bottes en or, mais t'es tellement shiny, mon pote. Ok, ça dégage. Yo, petit. Cookie de salmon, il m'en reste un. Dis donc, ça commence à être la merde. Et si on retrouvait le portail? Donc ça sera dans cette direction là, à peu près. C'est niveau bouffe, il va falloir beaucoup plus. Mucho, mucho mas. Hop, ça c'est toujours bon à prendre pour l'XP. Arigato, kosashimasu. Elle est déjà en train de midi du diam', ce Amaya. Mais la vache. Mais c'est une pro de Minecraft, en fait. Donc c'est bien par là-bas qu'il faut que j'aille. Ah, il y a mon pont. Il y a mon pont à dos de balle qui est là. Tac, tac, tac. C'est là que je venais. Il y a Pumba qui est là, là. Il me veut. Bonjour, messieurs. Oh la vache, les bruitages. Ah, mais il y a aussi des zombies Pigman. Des classiques. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Il y a du bois dans le Nether, mais rien ne va plus. Donc ils sont toujours vénères comme comme des groupes de Kaira, les pigments. C'est que si t'en touches un, t'as touché à toute la famille. Ouais, ils sont beaucoup moins nombreux qu'avant, mais... Parce que tu n'es pas une pro, tu dois te dépêcher, d'accord. Aïe 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 oh.
Mais il y a des bébés Pumba. Mais ils sont trop choux. Voilà, par contre. Toi, tu veux ma peau, ça se voit. Ton armure en or, là. Bim. Tu croyais vraiment... Eh, c'est la baston dans le Nether, vache. Allez. C'est de retrouver notre portail, là. Et la prochaine fois, j'essaierai de... d'éclairer un chemin. Parce que là, je crois que je suis un peu... un poilou paumé. Un poilou. Hus. Hus. Je crois que c'était là-haut. Je suis en train de me faire latter. Apprends à viser. Loupé, loupé. Aïe. C'était pas le karma, ça? Alors. À tout venir, c'est à peu près vers 0-0, donc ça devait être dans le coin par là-bas. Et je peux déjà plus courir. Dites-moi, aurais-je déjà perdu le portail du Nether? Non, je crois que c'est là-bas, en bas, là. J'ai déco face à un creeper. Oui, le portail est retrouvé, mais bien sûr, parce que je suis un pro. Évidemment. Allez, retour maison. L'expérience n'a pas été très concluante. Alors, nous avons Pika Pika qui est en train de... d'agrandir le jardin. Mais fais gaffe, hein, parce qu'après, il va falloir que tu règles le milieu, là. Si t'agrandis trop le jardin, il n'y aura plus accès... Ah oui, tant que sur les bords, c'est irrigué, ça va. Ah bah, tu vois, Arlo, j'avais trouvé tout seul. Mais merci, quand même. Bien, niveau bouffe. On a des trucs. Voilà, je mets 20... 20 porcas à cuire. Je vais pas avoir ta canne à pêche, bien sûr. Hop, je te le mets dans le coffre de la bouffe. Touk 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 touk. Voilà, hop. Ici, je vais mettre les blocs de Netherrack. Je vais mettre ça, c'est dans la bouffe. Le cuir, pareil, on en voit là. D'ailleurs, pour tout le monde, j'ai mis les champs d'animaux là-bas. Je vous enjoins à en profiter et à nourrir, etc. Donc, on ne tue pas une vache tant qu'on ne les fait pas toutes se reproduire. Non mais... Dark Omega qui fournit des cailloux. Le quartz, on va foutre là. Gunpowder, du paper. Ça, Florine, elle nous l'a géré, donc on va mettre ça là. Ouh, Pika Pika est dans le fishy business. Dim, tu vois les gros squelettes, pas les mobs dans le Nether, va les miner pour les cultures, ça aide énormément. Ah, ça donne plein de bonnes mille, ben oui, évidemment. Ah, c'est cool. Quelqu'un a des torches? Comment on est nous en charbon là dans le coin? On n'est pas... c'est pas la dinguerie. Hop, les fleurs pareil, on va mettre là. Tout ce qui est lié à la bouffe, on va tout y mettre là. Alors par contre c'est cool maintenant dans le Nether, t'as masse bouffe qui spawn. Vu qu'il y a plein de porcinets. Et curieusement les porcinets sont comestibles. Alors ma chaîne Florine, tu feras attention, j'entends des noyés dans le coin. Mais il me semble que les gens soient passés et tout ratissés. Cherche justement du charbon et... Ah oui, dans le coin là, par là où vous êtes, oui, il y a eu du ratissage de charbon, on va pas se mentir. Arlo veut une pancarte à son nom. Allez, donnons la pancarte à Arlo. Vérifions qu'il a pas déjà demandé. Non. Alors, c'est 37.
Arlo. Et c'est un 0 à la fin du Arlo. Voilà. Pourquoi Warcraft des tonneaux? Parce que tu as peut-être remarqué, mais ma place est un peu limitée. Et je veux juste y mettre ici les minerais et ici tout ce qui est bloc. Et du coup, on est un peu plus tranquille. Hop, tout ce qui est bois, je vais tout y mettre là-dedans. Donc, je fais le plein de bouffe. On n'a plus qu'un steak. Et il n'y a plus qu'à repartir dans le Nether. À la recherche. Florine, si tu veux, il y a plein d'os dans le coffre. Si tu veux t'en servir pour la culture, fais-toi plaisir. Je pourrais essayer de passer. Alors, tu pourrais essayer de passer une canne à pêche en table d'enchantement. Enfin, si tu peux avoir chance de la mer ou je me démerde. Si tu veux utiliser la table d'enchantement, fais-toi plaisir, mais donne-moi la canne à pêche, ouais. Et si je mets des bouquins? Power, piercing. Power 1. C'est cool, power 1. Protection 1, je prends de ouf. Efficiency. Efficiency est toujours sympa. Et Neyrox on Twitch vient de follow, merci beaucoup pour le follow. Allez, gâteau, gros achimos. Du coup, Florine, tu veux te donner ta canne à pêche? Tu l'as mis quelque part? Hop, je vais mettre un autre tonneau avec les trucs enchantés. Bah, je te l'ai donné. Ah bon? Ah, j'ai pas vu, excuse-moi. Unbreaking, non, pour l'instant, j'ai que Unbreaking avec la canne à pêche. Non, c'est bon, j'ai. Un peu bugué la grotte. Ah, c'est possible. Non, pour l'instant, est-ce que je peux aller. Est-ce que j'ai un petit efficiency à mettre dessus? Oui. Hop. Non, elle veut que unbreaking pour l'instant. Vas-y, je mets une petite efficiency sur la pelle. Ouh, et Nailrox a changé mes lumières. Merci beaucoup. Unbreaking. Non, elle veut juste mettre un cassable. Eh ben j'espère que tu installes-toi bien, hein. Prends un petit plaid, un petit café, un petit thé, fais comme chez toi, fais-toi plaise. Je suis désolé, peut-être qu'il faudra mettre des bibliothèques autour pour avoir plus de fishing rod, mais pour l'instant, on est eu. Je te l'ai mis dans le coffre là, si tu veux ta canne à pêche. Hop, et je vais faire un autre tonneau. Non, j'en ai un là, tonneau. Look. Ouais, j'ai pas vu qu'il n'y a pas de bibi. Ouais, bah ça c'est des trucs que tu peux faire aussi, si tu veux. Et il faudrait une enclume. Là, j'en faire une tout de suite. Alors, l'enclume, c'est avec des blocs de fer. Je me souviens plus combien il en faut de blocs de fer pour faire l'enclume. New recipe d'enclume, là. Je crois que c'est 4 blocs de fer, l'enclume. 2, 3, 4... Non, c'est tac, tac, tac. Non, elle me le fait avoir à chaque fois. Voilà, je l'ai. Heureusement que tu peux décraft les blocs de fer, sinon ça aurait été méga chiant. Hop là, pardon. Non, monsieur planté. Voilà, petite enclume. Enclumé. Pardon. Hey Dim, qu'est-ce qu'il y a, Arlo? Hop, là on a un peu de gold dans les minerais là. Tu me remercies même pas pour l'incroyable effort que je fournis sur ton TikTok. Quoi? J'ai quasiment commenté à chaque fois un gros merci. Oh mais je rêve. Traite-moi d'ingrat, ponctier. Mais non, merci beaucoup Arlo pour commenter à chaque fois des. Sur mon TikTok. Mais genre j'ai pari. En même temps, j'ai pas pris de dégâts.
Donc quasiment en dessous de chacun de mes TikTok, il met le lien du stream. T'es le meilleur Arlo, continue comme ça. Mario Cartel, oh putain. Se cacher les enfants. Oh trop stylé. Sur l'arbre, il y a de la lave qui tombe. Et bah d'ailleurs Mario Cartel, si tu veux squatter le serveur, tu es le bienvenu. Bon par contre, c'est un serveur full PVE, donc impossible de taper les gens. Et si j'apprends que t'as cassé la maison d'un petit enfant, t'es banni direct. Mais si tu veux rejoindre, t'es le bienvenu. C'est sur la dernière version de Minecraft, la 1.18. Et si tu veux, je te colle l'adresse dans le chat. Allez, Lady Why Not, c'est parti. Et si le stream d'un homme bourre. Et c'est pas lui qui vient de FF, l'élection de président. C'est ça, il vient complètement d'abandonner là. Il est retourné s'occuper de ses abeilles. Mais ça puait pour lui, hein, ça. Ça sentait que ça allait pas rester comme ça. Eh, il y a un trou là. Ah, et ça ronron dans le coin là. Oh oui, ça ronron dans le coin, hein. Ouh les petits cochons. Ouh les petits cochons. Et vous êtes. Ok, il y a beaucoup de petits cochons. Ouais, nul sa campagne, on est d'accord. Le seul truc fun, c'est que c'est un apiculteur. À part ça, y'a rien de. Y'a rien. Bon bah, mettez-vous en ligne, hein, et puis à l'abattoir, hein, vous avez l'habitude. Mais t'es nul avec ton arbalète, t'es nul. Voilà. Oh les petits cochons. Alors non, ça c'est les cochons Kaira, ça. Ça c'est les cochons zombies Kaira. Ça t'en touche un, t'en as 50 sur la gueule. Il appelle Samifa et tout là. On dirait Vin Diesel le bordel. Non, 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 j'y touche pas moi ces machins. Bon, ils sont où les forts du Nether là? Je casse ma cagole juste après, ne t'inquiète pas, je vais juste prendre le charbon. Ok. Facochère. On va lui mettre cher en facochère. Je fais des rimes, un vrai pauvre. Nope. Par contre, moi aussi Minecraft et Peggy 18 si j'ai bonne mémoire. Eh bah, change ton skin. J'ai agrandi l'enclos, cool. Alors après, ce qui serait bien si quelqu'un a la motive et les ressources, c'est de faire un enclos par espèce. Parce qu'on se mélange pas les espèces ici. Hmm. Dis donc. Waouh, 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 waouh. Sans vouloir m'inquiéter, ça commence à être la merde. Hi, hi, hi. J'attendais de l'autre côté. Alors, curieusement, je suis encore vivant. Et yo, G-Coin. Comment il va, le G-Coin? Alors ces machins, ils me mettent dans un mauvais mood. On peut les taper. C'est bon, ça va pas déclencher une haine. Non, ah, ça donne des fils. Facochère. Meurs, facochère, meurs. Merci. Ah, ça m'a fait des steaks cuits direct. Lol. On le dira jamais assez, le Nether c'est dangereux. Mais les Striders, ça s'appelle des Striders, leur nom est encore plus nul que eux. Oh bah Itlichou est morte. Non, Itlichou. J'aime ma vie. Des Arpenteurs. D'accord. Ouais, c'est encore plus cringe que eux. C'est le nom parfait, c'est complètement cringe. Ouh, des hommes facochères.
Oh, qu'ils sont pas contents, les hommes de colère. Eh, ils font mal quand même. Vache. Alors, je continue ma recherche d'un bastion, apparemment. Y a des trucs nouveaux depuis la 1.16. Ah bah ouais, bah apparemment le Nether il a bien changé. La génération de la map elle a complètement évolué. C'est plus du tout la même. Sinon, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ah, maintenant c'est beaucoup plus. Ah, Etlichou est encore morte. Ah bah non, Etlichou. On pourrait pas faire un parc à animaux en dessous. Là, genre un petit abri. Ça, je vous laisse faire vos bails entre vous. Moi, je ne suis que votre dieu. Je ne suis pas votre architecte. Les chevilles. Il y a une maison commune, on se débrouille un peu. Après, ça serait bien de commencer une construction d'une maison commune. C'est vrai que ça serait bien qu'on se mette d'accord sur la construction d'un endroit partagé. Bah, j'avoue, je fais un peu ma découverte pour l'instant de Minecraft 1.18. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué tout seul. Ah! Pourquoi t'as pas avancé plus que ça? C'est quoi ce trou de merde que tu m'as fait, Jackie? Est-ce que j'ai confondu le bouton courir et le bouton sneak? C'est ça? Je crois que c'est ça. Hein. Bon, tu vas cramer pendant longtemps? Merci. Alors... Qui fait un bon emploi tu là, là. Il a marché ou pas le pont? Il a marché ou pas? Il a marché? Bah voilà. Grand succès. Alors si j'arrive à installer un launcher, je jouerai peut-être. Je ne veux rien avoir à faire publiquement avec les choses illégales de la vie. Donc tu te débrouilles. C'est une bonne manière ça de laisser mes viewers se démerder. Hein? On récupère un peu de gold, même si de souvenirs dans Minecraft, l'or a toujours été complètement useless. À part pour faire du bling bling. Un archer. Allez, j'ai pareil. Allez, meurs. Faire des carottes ou pommes dorées? Ah, c'est vrai que les pommes dorées, ça c'est cool ça. Ah, mais c'est quoi? C'est de la lave qui a séché? Ça donne de quoi ça? Du basalte. Ouh, stylé. Je suis sûr que ça va être très cool en déco ça. C'est vrai que les pommes dorées, ça c'est le feu. Allez, die. On récupère la masse de petits os pour faire des méga cultures de la mort qui tue. Maintenant l'or c'est incroyable. Parce que du coup c'est quoi la différence entre carotte dorée et pomme dorée? Pomme dorée ça te fait une bonne régène de vie je crois. C'est une pièce d'armure en or, les piglins ne t'attaquent pas et tu peux échanger avec eux. Non sérieux? Oh ça c'est cool. Attends, j'ai de quoi faire une table de craft? Non, évidemment. Parce que je suis un trou du cul. Alors par contre, aucune trace d'une petite forteresse. Et vu que sur serveur... saute. Oula, c'est pas passé loin cette histoire. Ichiru a déconnecté. Bah dis donc Amaya, c'est mouvementé ta partie. Les nouveaux cochons zombies, piglins, tu leur donnes un lingot d'or et ils te passent des lots. Oh trop bien! C'est la vie ça! Ah mais attends, j'ai des bottes en or moi! Oh là par contre, mon casque il a Delta, Charlie Delta. Yes. Meurs, meurs! Ah ah! J'avais un bouclier! Tu ne peux rien contre moi. Ah, toi tu peux contre moi toi. Toi tu vas être chiant contre moi.
Allez, viens. Viens, je t'attends. Vas-y, tire. Tu me connais pas, moi, je suis Djokovic avec le vaccin. Avec le vaccin. Je reviens sur le chat dans 10-15 minutes. Ok, à tout à Maya. On va se le faire, la mano. Non, il est un peu haut. Allez, arrête avec ton suspense, là. Oh, je vais y mettre un coup. Oh, je vais y mettre un coup. Non, il est reparti. Mais arrête avec ce suspense insupportable. Ah bah là, il tire. Wouhou. J'ai raté, chef. Non, mais sérieux. En même temps, avec le lag du serveur, c'est super compliqué d'envoyer des trucs. Allez, viens. Allez. Je vais t'avoir. Oh là, ça commence bien là. Mais genre. Bon, je vais finir par me faire buter, moi. C'est bon, il s'est barré l'autre. Bonjour, monsieur. D'accord, il me fallait forcément une table de craft pour en faire. Si je donne juste des. Non, il me faut une table de craft. Damn! Ils peuvent te donner des flèches, gravier, pierre noire, obsidienne, obsidienne pleureuse, mais surtout des enderperles. Ouh, livre enchanté et potions de résistance au feu aussi. Oh, c'est cool! C'est cette mécanique que Dream a triché. De quoi l'histoire du mec sur le. Le record de temps pour Eh mais où? Mais t'es des copains. J'ai des potes en or. Vous m'avez menti sur le chat. Ça les rend pas copains quand tu mines de l'or. Ah merde hein. Oui ou. C'est moi, vous êtes deux à me taper dessus là. C'est ça, j'en ai deux sur la gueule. Super, je passe un super moment. En train de péter un câble, tout va bien. Ouh, c'est pas passé loin ça. Ça c'était ma mort ça. Et yo Maël, comment il va Maël? Oh, de la glowstone, ça faisait longtemps. Ah bon? Ah non, si. D'ailleurs, elle a changé le skin de la glowstone. Bah, c'est plus bon, go build maintenant. Ah, Kizino, il est chaud. Ça vous dit, vous nous faites une maison commune? Histoire que les nouveaux ils puissent se caler, choper un peu de stuff, etc. Pour être cool. Ouais bah écoute Maël, si toi tu vas bien, moi aussi je vais bien. Oui, il a augmenté le nombre de pourcentage de chance que les piglins te donnent des enderpearls pour aller plus vite buter le dragon. Ah d'accord, oui effectivement c'est naze. C'est pas juste qu'il a utilisé cette mécanique, c'est... Il a cheaté la mécanique. C'est effectivement ultra naze. Donc ça c'est cool, ça donne toujours, comment dire, pas mal d'XP. Donc à toujours prendre. Est-ce que ça sert à quoi déjà le quartz? Oh. Soudop Kidino. Il a gagné 2 millions d'abonnés pendant le drama. Ah bah oui là... Mais des fois, tu sais, il y avait cette citation de l'ancien patron d'Eclipsia Rurk qui disait, sa phrase favorite c'était Bad buzz is still buzz. Donc faire un bad buzz c'est quand même faire du buzz. Et c'est un peu là-dessus. Je suis à la fois assez d'accord. Mais pour moi, si tu buzz à cause d'un bad buzz, ça te suivra toute ta vie. Et même si tu vas devenir un peu connu, etc., mais si t'as 2 millions d'abonnés et tout. Bah, tu vas quand même passer une sacrée traversée du désert à essayer de te sortir de cette panade, quoi. Et ça sera écrit sur ta gueule tout le temps. T'es pas là pour les bonnes raisons. Et personnellement, je suis... Bah, non. Je suis assez d'avis de dire que c'est de la merde. Et oui, il y a 2 millions de personnes qui vont s'abonner à lui pour voir où ça en est, pour avoir des news de l'affaire et tout.
Mais après, bah c'est fini quoi. C'est comme percer avec 100% petit clic, oui. Alors après, voilà, ça te donne une base d'abonnés et tout. Et si t'es bon et que t'arrives à transformer l'essai, c'est une bonne manière de tenter le truc et d'avoir tout de suite une grosse communauté pour tenter des choses. Mais en gros, ça t'enlève un peu l'excuse de ça marche pas parce que je fais un mauvais contenu. Enfin, ça marche pas parce que j'ai pas d'abonnés. Et donc, du coup, je suis pas référencé sur Twitch. Ah putain, on est au Stronghold. Ok, toi t'es encore content. On va grimper là. La forteresse. Pour le savoir, j'ai des idées drôles, je te dis. Vas-y, on va, fais péter. Hop là. On se fait un petit escalier en colimaçon. D'ailleurs, on va se noter. Il faudrait un bloc-note avec certaines coordonnées. Genre, le Nether, c'est. Nether forteresse. On est en moins 216. 48. 173. Putain, sinon en ce moment, je suis en train de mater une série qui s'appelle 911. Et j'adore cette série, même si je la trouve complètement naze, ou dans le sens où il arrive toujours des trucs à la con, etc. Ça n'en finit jamais et tout. C'est une série sur les services d'urgence américains. Et t'as le personnage un peu qui raconte l'histoire, qui est la nana qui répond au téléphone. T'as plusieurs personnages principaux qui sont chez les pompiers. T'as une flic, etc. Et j'aime beaucoup cette série. Je sais pas pourquoi, parce que tous ces trucs dramatiques qui leur arrivent, les accouchements impossibles qu'ils arrivent à sauver, etc. Il y a un truc, il y a des fils qui marchent bien, j'aime bien. Alors, mineur, chasseur, aventurier, explorateur, builder, architecte. Alors, explorateur, je vois pas comment on peut en faire un rôle slash métier. Ça, tu vois, c'est un peu tout le monde qui peut partir à l'aventure quand il veut. Mais pour tout le reste, je suis complètement d'accord. T'inquiète, avancement, Terrible Fortress. Ooh, on entre dans la Terrible Fortress. Oui, bûcheron, effectivement, il nous faut un bûcheron. De l'or, merci. On prend un peu de quartz aussi, hein. Et bref, si vous aimez bien les séries un peu à la con, genre pour remplir pendant que t'es en train de manger, ça marche nickel. Non, tu sais, c'est pour les endroits clés. Oui, justement, les endroits clés, je pense qu'on va essayer de faire tous ensemble. Ah, ça pleut de... ça pleut des cendres. Nickel. Il y a aussi scientifique. Ah, pour les potions? Ouais, pour les potions, ça peut être pas mal. Potions et enchantement. Côté potions et enchantement. Faudrait un fermier. Un fermier, ça peut être cool. Après, un peut en avoir plusieurs, tu vois, partager des rôles, etc. Voilà, après, faut pas oublier que c'est semi-RP. C'est genre, si le mec est pas dispo, etc, machin, machin, enfin... Bordel de cul, Mario Cartel a rejoint. Hop, alors, Mario Cartel, hop, tu passes en user. Tu peux déco reco, et... tu seras dans le serveur. Et salut Atomic. Ok, on se met des torches pour indiquer par où on va. Et toujours torche à droite. Le maire c'est Time. Non non non, moi je suis pas le maire, moi je suis le dieu. Et donc, je tiens à ce qu'il y ait des élections sur le serveur où vous décidez qui sera votre maire et tout. Moi, vraiment, je ne fais pas partie de la vie du serveur. Moi, je suis
Votre dieu, exactement, voilà. Ça va Atomic? Bah moi écoute, moi ça va bien. Enfin non, ça va pas très bien, mais on fait aller pour ça aille bien. Donc ça va bien. Ok, on comprend bien par où on vient. Bon alors pour l'instant la forteresse elle a pas trop changé hein. Toujours des couloirs infinis qui ne donnent sur rien. Tu espères arriver un moment à l'air libre pour pouvoir te faire quelques comment ça s'appelle? Ah les mecs qui balancent du feu là. D'ailleurs faut que j'en bute un ou deux pour pouvoir t'as un Discord? Oui. Point d'exclamation Discord pour l'avoir. Des Blaze World. On va trouver des Blaze pour avoir des Blaze World. Pour se faire des popos. Il va falloir aussi des... Alors attendez. Hop, je balise par où je suis passé. Atomic, t'as vu mon message? Quel message Atomic? Monte les marches. J'y vais. Hop là, et hop là. On attend que ça coule. Merci. Ah, là, par là, ça a l'air d'être d'avoir des trucs. Il y a des bails. Il y a zéro bail. Oh, comme on est en train de se perdre. Ok, on va encore monter par là-bas. Ah, des blazes, nickel, ça faisait longtemps. Alors, déjà, manière numéro 1, on se fait une zone un peu safe. On les attire. On mange. Allez, venez. Venez, Yaskar. Ok, c'est bon. Tu viens, oui? Ah voilà, et oh, et oh. Allez, bougez-vous le cul. Sortez-vous les doigts du cul. Le bouclier ne marche pas. Allez, on se bouge. Aïe, aïe. Chaud, 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 chaud. Ok, ok, je déconne, je déconne, je déconne. Je crois que j'ai un peu merdé. Allez, Romain, vous êtes des Romaines. Et Dickon a demandé sa pancarte. Je te fais ça dès que je sors de la divan. Et demain. Aïe 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 aïe. Waouh waouh. Chaud 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 chaud. Faudrait que je me fasse une espèce de... Oublie pas hein. Non, on va essayer de pas oublier. Et puis au pire tu me le rappelleras. Faudrait que je me fasse un chaudron. Des chaudrons, tu peux mettre de l'eau dedans quand t'es dans le nether. Attendez, j'ai plus de place dans mon inventaire. Name. J'arrive pas à rejoindre à cause de mon adresse email. À rejoindre quoi, le Discord? Hop, donne-moi ça, toi. Chez les nazes. Ok. On a eu un deuxième. Wouhou! Eh bah, vous êtes chaud, les mecs! Oula, oula, vous êtes beaucoup. Ouh, vous êtes beaucoup. Allez. Vous crevez, vous crevez, vous crevez. C'est encore jouable. Wouh! Eh bien. Donc Mario Cartel a rejoint. Normalement, si tu t'éloignes un peu du spawn, tu devrais avoir accès au reste du serveur. Voilà. Oh. J'ai noté l'adresse. T'as les coordonnées des Blaze. Hop, nous sommes en moins 257. Into 73, into 258. J'ai pris un pack de textures. Keys no time, je peux t'emprunter ta table d'enchantement où tu peux. Et un peu de lapis contre un peu de fer.
Alors, en théorie, oui. En pratique, le problème, c'est que ma zone est claim. Donc, tu ne pourras pas te balader dedans. Enfin, tu pourras pas... Je sais pas si tu peux quand même utiliser la table d'enchantement. Si tu veux, Kizino, on fait ça quand je reviens de mon expédition. Faire un salon d'échange. Une place marchande. Ça, oui, ça c'est possible. Je vais essayer de mettre en place un truc. Des magasins. Avec des systèmes de coffres, avec des pancartes. Où en gros, vous pouvez mettre. En gros, quand tu fais clic droit sur la pancarte, tu vends quelque chose, quoi. Il faut du coup un système monétaire et tout. Mais ça peut être sympa. On va essayer de mettre en place ce genre de choses avec la base. Et d'ailleurs, j'ai. Tu peux faire une enchante pour moi. Hop. J'arrive à la base. J'essaie juste de trouver des verrues du Nether. C'est quoi les coordonnées? Les coordonnées? Quelqu'un a noté les coordonnées de la base? Hop là. Est-ce que Florine... Tu peux nous faire quelques bibliothèques, s'il te plaît. Comme ça, on peut mettre la table de craft avec des bibliothèques et enfin la table d'enchant avec des bibliothèques et faire quelques enchantements. Sinon, je peux faire des croquis de certains builds. Ah bah, avec plaisir. Je suis en train, chef. Merci, Pika Pika. C'est la meilleure, Florine. Je dois avoir les coordonnées. Non mais je les ai copiées dans le chat du jeu. Hop là. Tu peux m'enchanter ma hache en fer et je te donne bah, du fer pour payer. C'est pas comment faire des enchantes. C'est pas comment faire des enchantes? Ah mais c'est très facile, si tu veux je te montre quand j'arrive. Ah, je pensais esquiver. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il me reste plus que 5 de bouffe. Je vais rentrer à la maison. La musique est trop forte chez toi. Ah, mais la musique est trop forte de base, du coup. J'ai baissé. Si toi tu m'entends pas bien, je pense que tout le monde m'entend pas bien. Ça c'est des blazes ça, tu mets 3 heures à les trouver puis dès que tu les as trouvés ils sont de partout. Allez. Hop. Tiens. Voilà. Faudrait que je pense à faire un pont moi. Ah c'est vrai qu'un petit pont. Alors le but c'est de faire une sorte de ville qui ressemble à une sorte de port marchand. Donc si tu fais un pont, faut que des bateaux puissent passer en dessous. Demain j'ai un DM en maths à rendre. Faire un exposé latin sur les harpies et un oral de français sur un poème à réciter et analyser. Wouah, chaud. Gros planning. Ah, je suis déjà passé par là? Ah, hop, on va sceller ça, histoire de pas s'en prendre plein la gueule. Merci. Te suicide pas, Mario. C'est pas ce qui s'est passé avec notre cher Mario Cartel. Ces affaires de harcèlement sur mineurs lui sont finalement retombées dessus. La semaine prochaine pro, brevet blanc. Wouah. Torche à gauche pour sortir de là. Mais du coup, j'aurais pas trouvé de verrou du Nether. Mais elle est immense cette forteresse. Ah, là j'ai pas exploré par là. C'est vide. Ok, là où c'est vide, je vais boucher comme ça. Torche à gauche. Donc là, c'est la sortie. Ok, essayons à droite.
Alors sur la droite. Parce qu'on n'est pas encore tombé dans le. Dans l'endroit du truc où il y a les grosses salles. Ah bah là ça commence à ressembler à là où il y a les grosses salles justement. Ah là, là on y est. Là on arrive dans le genre de salle où il y a des coffres, il y a du loot et tout là. Dark Omega, je joue jusqu'à quelle heure? Ah, je pense 23h30 à peu près. Là, elles sont là, nos verrues du Nether. Bien. Qu'est-ce que j'ai jeté? Nether Bricks. Hein. Voilà, 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 voilà. Ok. Et donc ça ressemble à la mort ça. Oui c'est bien ça, c'est bien la mort. Et tu joues vendredi après ou pas? Vendredi moi je bosse. Donc je vais peut-être jouer en soirée mais ça, c'est pas sûr. Eh t'as tout loupé. T'es mauvais Jack. C'est un système d'économie sur le serve, autant faire des hôtels et des habitations en location. C'est possible aussi, c'est possible aussi. C'est une plutôt bonne idée ça d'ailleurs. Ah cool, on a des golden gots. Deck, un chestplate en or. Ouh. Qu'est-ce que je peux jarter? Cette houe, elle sert à rien cette houe. Et deux trucs comme ça, toujours utile. Tu sais que tu peux donner l'autorisation à quelqu'un qui peut ouvrir le serveur. Ah oui, oui, c'est possible aussi, mais... Est-ce que j'en ai envie? Ça, c'est autre chose. Mais ouais, sur MTX Serve... Sur MTX Serve, je peux... Alors, on peut faire plusieurs choses. Donner des autorisations, etc. Et surtout, un truc qui pourrait être intéressant, c'est que, en gros, d'ouvrir le... Ouh, une armure de cheval en or. C'est pour moi, ça. Et en fait, faire en sorte que vous puissiez participer aux frais du serveur. Donc ça serait peut-être un deuxième temps, si le serveur survit sur la durée. Pour les personnes qui peuvent pas trop jouer le soir. Oui, alors déjà, dans un premier temps, le serveur ne sera en ligne que quand je serai en live. Et après... Oui, j'ai payé le serveur. Bah oui, le but, c'est de... c'est d'avoir un serveur qui puisse contenir beaucoup de personnes. Au cas où, si on est 30, 40, etc. Un truc un peu... Je voulais un truc un peu costaud, quoi. Et... Qui puisse... qui, à l'avenir, pourra peut-être gérer des mods, etc. Mais c'est, en fait, c'est juste pour la mise en place où je veux que ça soit que pendant les lives. Et au bout d'un moment, il sera ouvert à tout le monde. Tu peux créer un serveur avec 500 personnes gratos. Oui, mais forcément, t'as une config de merde, etc. Enfin bref, je voulais un truc solide, et sur MTX Serve, c'est très solide, et c'est un truc que je connais bien. Je, voilà, et puis c'est pas très cher, c'est 5€ par mois. Hein. Bon, enfin bref, donc je disais, oui, dans un premier temps, il va rester ouvert que pendant les lives, et après, bien sûr, il sera ouvert à tout temps, à tout le monde. Ça serait cool. Bon, on a les verrues du Nether, on a à peu près tout, ça c'est la mort. Tu veux nous faire payer pour 5€ par mois? Non, je vais pas vous faire payer à ce moment-là. Mais si à un moment, moi, je ne joue plus en live à Minecraft, et que vous, voulez maintenir le serveur en vie, bah vous pouvez. Et si à un moment, comment dire, je vais reprendre le serveur, bah je le reprends, etc. Et puis peut-être que si je payais plus cher pour faire du gros Feed the Beast avec 50 mods, etc. C'est possible aussi. Je reviens, je vais fumer. Ok. Et ben bonne clope. À bien mourir. Alors c'était méga méchant, je suis désolé Florine. Et j'aime pas la cigarette. Je vous prends sur le tel. Ok. Heh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 
T'as besoin de ça pour savoir que je vais mourir. Ah oui, non, mais c'est pas une question de quand, c'est une... Enfin, c'est... Ça sera quand même plus tôt si tu fumes, hein. Alors, c'était par où la sortie? Voilà, c'était dans le coin que j'avais creusé pour me faire une petite sortie. C'est là, voilà. Maintenant, on va essayer de retrouver le chemin de la maison. Ouh! Fallait faire un faux mouvement. Là, c'était la mort automatique. Avec mes soucis de santé, j'ai la dose. Ah bah, je te comprends, j'en ai aussi. Mais justement, je préfère avoir une seule dose de soucis de santé que deux. Donc du coup, j'ai arrêté de fumer. Enfin, non, c'était dans le sens inverse. J'ai arrêté de fumer et c'est ça qui m'a rendu malade. Oui, j'ai la seule maladie au monde qui est aggravée par le... qui est diminuée par la cigarette. Mais c'était pas une raison pour reprendre, du coup j'ai pas repris. Et j'ai eu très très envie de reprendre. Mais bah je prends pas les champis. T'as quoi sans discrétion? J'ai une rectocolite hémorragique, une RCH, une maladie chronique de l'intestin. C'est mon système immunitaire qui attaque mon colon. Bref. Et je vais où? Mais non, je vais dans l'autre sens. Voilà. Et là, voilà. Non, voilà. C'est là-bas. Voilà. Ma qualité entre 60 P. Ah, bah oui, ça doit piquer un petit peu. On tente le jump? Bon, bah, je te suis de près. Comment ça, Florine? T'as le même genre de maladie? Désolé, j'ai pas réussi. À rejoindre le Discord? Bah, c'est pour toi, hein, mais. Mais comment ça se fait? Et re Maya! Non, t'as quoi? Putain, enfin quelqu'un qui... Parce que je connais personne qui a ce genre de maladie. Oh, on va discuter. Bon, je vois pas mon clavier. Je fais au sens intuitif. Tu vois pas ton clavier, j'imagine que tu voulais dire. Ça se voit un peu. Ouais, ça se voit un poil. On se doute qu'il y a un souci. Waouh. Netherbrick. T'as la vieille trône? Ah bah c'est... Oui bah c'est la même chose. Alors si j'ai bien compris d'ailleurs, bah c'est... J'aurais bien aimé... Enfin, je pense qu'on va discuter en privé. Il y a beaucoup de questions que je me pose par rapport à ça. La maladie de Crohn, c'est le même type de maladie, à la différence que ça s'attaque à l'intestin, plus haut dans l'intestin, et moi c'est plus au niveau du côlon. Le code de Discord. Si tu as sur ce lien, ça marche pas? Le pack a assez l'ambiance, mais on ne peut pas trop parler de maladie, ça me met trop mal à l'aise. Après je quitte au pire, et puis continuer. Non mais en vrai, oui. Arrêtons là, t'as raison. Je t'attends moi. Ah mais je suis coincé un peu loin dans le nether. Mais j'arrive, là je suis sur le retour, Kizino. On en parle en privé, cool. Je suis perdu. Je sais que c'était vers le 0-0, le... Ma base. Enfin, le portail du nether. Wouhou. 36-40, merci. Là, là, voilà. Alors. Bah, ça devrait pas être loin. Mmh.
Tac, 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 tac. On y va, on y va, on y va. Et reflorine. Attends, 40, c'est où? Voilà. Ok, ça devrait être dans le coin là-bas. Où est-ce que Arlo m'aurait menti? Je suis à 36-40, je suis dans le coin là. Ah, c'est dans ce genre de revêtement, ça, dans le coin. Oui, il est là, merci Arlo, t'es le meilleur. Les facochères n'aiment pas les champignons bleus du Nether. Dem, 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 dem. Vite! Téléporte-moi! Non, 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 non! Qu'est-ce qui. Pourquoi j'ai entendu un bruit de verre pété? Non! Wouhou! Ouh là! Ouh là, j'ai été bon! Pense à activer l'anti-AFK par la suite si tu veux. Ça serait quoi les avantages de mettre un anti-AFK? Non, j'ai rejoint et je peux pas parler, ça me demande de rentrer le code et un CML, sauf que j'ai oublié mon code et c'est la mauvaise adresse mail. Ah, du coup, tu devrais peut-être faire, Maël, un nouveau compte Discord. Bon, je suis là, Kizino. Alors, normalement, on a de quoi faire de l'alchimie. Alors, le truc d'alchimie... Aïe. Donc c'est 3 cobbles et un blaze rod. On a tout ce qu'il faut. Alors déjà pour l'or. Tic tic tic. Nickel, 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 nickel. Ah, hop. Je t'ai laissé des trucs dans le four pour que tu prennes l'XP. Oh mais t'es trop gentil. Mais t'es pas obligé hein, tu... Ah alors par contre, j'ai vu que t'avais mis des birchwood pour cuire. Vaut mieux que t'en fasses de la... Faut que tu fais cuire, faut mieux faire cuire le bois pour que ça te fasse du charbon de bois. C'est beaucoup plus worth it. La petite armure en or, armure de cheval. Hop, voilà. Et dans le coffre de la bouffe, je vais te mettre plein de bonnes blocs. Voilà, ça va te faire plein de bonnes mille. Là, tu vas être tranquille. Pendant un moment, si tu veux, les cultures. Ok, 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 hop, j'ai un peu de cuir. Ouais, j'ai pensé, je le fais tout de suite, cool, super. Mon panneau time, oui, G-Coin, faisons ça. Voilà, ne serait-ce pas un Kizino énervé ça, mais oui, c'est un Kizino énervé. Tiens, je t'ai tout donné. Ok, qu'est-ce que tu veux que je te fasse, tu me disais? Tu voulais que je t'enchante un... Ma hache. Et ma hache. Et tu veux quoi comme enchante dessus? N'importe. Ok, efficiency. Vas-y, je te le mets niveau à 5 en espérant que t'as un truc en plus. Non, juste efficiency. Et vas-y, moi si je me mets. Oh, efficiency 2. Tiens, mon Kizino. Petite amélioration avec. Voilà, cadeau. Surtout, dis pas merci. Un truc à boîte. Tu m'as donné. C'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau. Tu as quelques bibli. Ah, super, tu gères. Je sais pas si t'étais toi là. Ah, merci beaucoup. De rien. Hop là, Rose Salmon. Donc tu m'as dit, dans le truc à bois, il y a des bibliothèques. De toute façon, il faudra qu'on se fasse une petite salle enchantement, ce sera pas mal. Hop. Alors, j'ai du fer à mettre là. Bien. Alors par contre, les trucs dégueulasses qui sont là, ça doit pas rester là.
C'était pas Maya qui avait dit qu'elle qu'elle bougeait les trucs machin machin là? Et en disant mon viable c'est incompréhensible. J'ai rien compris. Pour revenir au croquis des futurs builds, je suis pas un expert en déco minecraftienne. Je précise de chez ouais. Il n'y a aucun souci. Tu me déco juste après, bien. Je suppose que c'est à moi d'y enlever. Oui, je voulais faire le panneau de G-Coin. Voilà, et après je propose que genre en face là, on fasse la maison partagée. Genre en dessus de la colline là, ça serait pas mal. Bien sûr, là, les bibliothèques, cool. Le panneau de G-Coin. Monsieur G-Coin. Voilà, monsieur G-Coin, il a son panneau. Ah, tu vois, j'y ai pensé. Il m'a fallu pas mal de temps, mais j'y ai pensé. Voilà, donc... Donc j'aimerais bien que par là-bas, on se fasse notre... jolie maison partagée. Je vais remettre tout mes... J'ai stocké pas mal de choses là. Un peu la glowstone, ça peut aller là-dedans aussi. J'ai du porc à cuire. Ah pardon, désolé. Digestion compliquée en ce moment. Hop là, tuc tuc tuc. Alors, je suis en train de réfléchir. Vas-y, jarte-moi ces merdes là. Tac. Bone block. Pareil, tu m'en fais de la bonne mille. Tu mets là-dedans. Bien! Alors, créer une espèce de métro sous-marin pour relier divers endroits ou un métro secret qui mène à l'extérieur de la ville en cas d'agression. Oh! Alors, moi j'imagine vraiment une maison style. Enfin, une ville un peu style steampunk. Oh! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Comment elle s'appelle? Oui, 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 oui. Hop, est-ce que j'arrive à trouver une jolie illustration? Voilà, ça doit être pas mal. Voilà! Piltover! Je veux qu'on fasse Piltover! Let's go! C'est de la série Arcane. Mais en vrai, ce genre de ville, ça serait trop bien! Un côté un peu steampunk et tout, ça serait cool! Qu'est-ce que vous en dites? Aucune réaction, ok! On s'en fout! Bien. Allons faire notre maison partagée. G-Coin, mouais! Je connais pas. Quoi? Vous avez pas vu Arcane? Non mais... Mais rien qui aille là. Ça déconne sur mon chat. Tu vois de quoi faire un tapis s'il te plaît, Timecut? Bah regarde dans les coffres, il y a pas mal de laine qui traîne. Non mais prévu. Ah bah ouais, je te conseille. Ah oui, vous avez bien agrandi le truc, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ah, il y a des bébés et tout, vous avez nourri. Ah, vous êtes cool. Vous êtes cool, vous êtes cool, vous êtes cool. Dis donc, t'es pas en chaud, toi. Du coup, t'es mort. Incroyable, mais trop dur à construire. Non, mais je veux pas qu'on fasse Piltover, Piltover. Non, je veux qu'on s'inspire de ça, ce genre d'architecture, quoi. Regarde la cognette de toi. Ouh, c'est la maison de Kizino. Allez, du coup, tu t'es fait... ouais, va falloir que tu nous fasses un petit pont, là, Kizino, hein.
Parce que là, ça va... C'est un peu chiant à rejoindre. Voyons voir la petite maison de Kizino. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ah. Kizino, va falloir que tu sortes ton expertise en pont pour nous faire un petit truc. Oh oui, d'accord, monsieur vitré. C'est en construction et j'ai un squatter. Bordel, t'as un atomique chez toi. D'accord, c'est très sympathique, hein. C'est très sympatoche tout ça. Architecture steampunk, je m'y connais pas. Alors c'est simple, tu fais architecture normale, tu ajoutes des cheminées, puis voilà. C'est mignon comme tout. Très très bien tout ça, Mr. Kizino. Et ouais, si, ça serait bien de faire un petit truc pour rejoindre là-bas. T'as Atomic chez toi, c'est ça que t'as dit? Oui. Oui, bah c'est Atomic qui est chez lui, non? J'ai trompé dans le pseudo. Atomic. Bah c'est bien ça. La lumière fuse, ça devrait être plus compréhensible. Oui, je confirme, c'est beaucoup mieux. Oui, dans sa cave. Bien, sur le serveur, je demande votre aide, mes amis. De toute façon, je vais me prendre un méga vent, mais c'est pas grave. Qui veut, vient. On construit la méga maison partagée là-haut sur la montagne. Comme ça, tous ceux qui veulent rejoindre, ça sera un peu la mairie. Et puis, je ferai en sorte de déplacer le spawn ici. Comme ça, on ne demandera plus toutes les deux secondes. Non, 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 non. Eh merde. Les coordonnées pour rejoindre la maison. Voilà, voilà. Alors, je commence par aplanir le terrain. Tunkut fait des cratères. Mais non! Je rebouche, je rebouche, je rebouche. Je s'occupe. Elle est nue en but. Non, mais c'est pas grave. Toi, limite, récupère-nous plein de bois. Il nous faut plein de chaînes. Alors, G-Coin, il dit qu'il veut bien un endroit dans la ravine. Après, ça peut être possible. Faut voir comment on peut faire le truc pour... Déjà, tu vois, il y aura des sortes de ponts pour rejoindre. Il y aura peut-être des gens qui habiteront en dessous, là, genre des endroits un peu plus glauques, tu vois, tu y vas avec ta barque et tout, tu vas rejoindre les vendeurs obscurs qui se cachent sous les ponts, dans les bas-fonds, dans les campagnes, dans les réseaux sociaux. Le genre de personnes dont Marine Le Pen a peur. Mon dieu, le combo horrible. C'est là que je voulais ma maison. Bah exactement, bah voilà. Je suis bientôt tout à vous. Cool. Désolé petit rototo, j'ai des petits problèmes de digestion aujourd'hui. Voilà, on va mettre à niveau tout ça et on va pouvoir faire notre espèce de mairie slash bâtiment commun avec des dortoirs et tout. Alors, déjà quelques torches, histoire d'illuminer dans le coin. Fais-toi plaisir, on fera le tri après. J'ai raté un message? Pour tes redoutous. Alors, ça devient bizarre. Alors clairement la mairie, elle sera direction face au lac.
Parce que le lac, c'est... Alors, c'est pas un lac, c'est un fjord. Et genre, c'est censé être le... Le principe de notre activité, c'est genre, on est une ville commerciale. Je mets un tapis pour les enclos, ça évite d'ouvrir la porte et que les animaux se barrent. Comment ça? Vas-y, je suis très intéressé. La maison fait une cave avec une table vitrée. Je parle à Kizino s'il m'entend. Avec une baie vitrée. Pourquoi? Pour stocker atomique? Anecdote. Oui, ah, hé hé. Yo. Yo. Il y a très longtemps, j'avais genre 10 ans, dans le Nether, une fois, j'ai vu un bébé cochon zombie, les vieux, sur une poule dans le Nether. Oui, ça peut exister. Effectivement. C'était un truc qui existe. C'était pas très courant, mais ça arrivait. Voilà, j'ai un peu éliminé dans le coin. Non, les trucs violents, c'est jouer en modé avec Monsieur Sacha. Il avait fait un laboratoire de l'enfer. Il avait fait un croisement entre un creeper et une araignée. Je peux vous dire, c'est le machin que t'avais pas envie de croiser. Quelle saloperie, ce machin! Alors, héros atomique. Hop. Voilà, ici j'ai très envie d'un gros bâtiment. Orchidée, salut! Oh. Ah merde, des dragons! Oh non, c'est chiant ça! La taille 4, c'est tout d'où vient le creeper. Je crois que c'est une vache buggée. Si je me souviens bien, il y avait une histoire comme ça, en mode Notch, il a fait un personnage vert et tout qui était complètement buggé. Il a fait hey! Tous! Et là, cette espèce de grand malade, il s'est dit hey, il y a un truc à faire là! Il y a une idée exploitée. Et si on en faisait un kamikaze? Comment tu vas, Orchidée? Et re-atomique, si j'ai oublié de le dire, mais je crois que je l'ai dit. C'est ça, il a foiré le code du cochon. Oui, je crois que c'est ça, hein, il y a une histoire avec le cochon. Eh, en parlant des connards. Alors du coup, Florine, je me suis planté, je crois que c'était hier, du coup j'étais en live, et Orchidée était là, et je t'ai confondu avec elle. Et du coup c'est toi Florine qui avait envoyé une photo de ton travail sur Discord. Et je me suis posé la question, dans quoi tu travaillais? Est-ce que c'est une usine à matelas? D'accord. Donc c'est vraiment une usine à matelas? Drôle. C'est cool. Oui, d'accord, je comprends mieux. Je fabrique des matelas. Trop bien. Mais genre, t'as pas trop envie de dormir tout le temps? Moi, je t'aurais créé des matelas, c'est... Je bouge plus. Mais métier d'avenir, hein, testeur de matelas. Alors, posons les fondations. 3, 4, 5. Donc j'aimerais un truc à peu près comme ça. Apparemment mes coudes aimeraient se reposer. Je comprends. Hop. Donc j'y vais un peu à l'arrache pour regarder les fondations. Tac, 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 tac. Ok. Donc j'aimerais un bâtiment genre avec deux ailes comme ça là.
Voilà. Un gros bâtiment au milieu qui dessert les deux. Des bâtiments un peu en U. Hop là. Quoi ? La compagnie, je vais dodo. Bonne nuit à tous. Bonne nuit Pika Pika, bonne nuit Florine. Dicon, il dit... Quoi ? Je suis testeur de chaises dans une chaiserie. Je suis collégien dans un collège. Ah zut! Non, j'ai plus de pelle! Damn! Vite! On va faire une pelle. Voilà! Il marche trop bien mon emote Time Cut Fear. J'aime beaucoup. C'était quoi ce bruit? Alimentation, cool. Bien. Alors oui, il fallait une nouvelle pelle. Est-ce qu'il me reste un diamant? Ouais, non, c'est un peu overkill. Hein. Faire juste deux pelles. En faire. Ah, il retourne. Vous êtes à plusieurs ? Oui, c'est ouvert à tout le monde. Tous ceux qui veulent venir, ils peuvent venir. Alors, non, je reformule. C'est ouvert aux habitués. Ta tête quand on zoome dessus est géniale. Oui. Ah, mais il y a un enfoiré là qui pense des tridents. C'est ouvert aux habitués du coup. Et vous pouvez tous venir, tous ceux que je connais. Pour ça, vous venez sur le Discord, vous prenez l'adresse du serveur. Et bah, bisous Maël, à bientôt. Et une fois que vous êtes sur le serveur, vous vous dites « Hey, c'est moi machin sur Discord » et je vous donne les droits pour rejoindre l'aventure. Hop, du coup, j'ai mis combien? J'essaierai demain de faire un croquis de maison commune si elle n'est pas déjà faite. Ah bah, je suis en train de faire les fondations, là. Ça sera peut-être un peu trop tard. Et quelle heure, là? Bientôt 22h. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parfait, ça. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop là, bam 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 bam. Voilà, grosso modo, les fondations de la maison commune. Donc genre sur les côtés, genre des bureaux, des stockages, etc. Là, en dessus, des chambres. Hop, on va se mettre des poutres. Alors la hauteur n'est pas définitive, hein, c'est juste pour qu'on se rende compte. Cool, G-Coin, merci. Peut-être manger un peu avant de crever, moi, avec mes conneries. Oh, je suis crevé. Et heureux, Kizino. Hop là. Tac, tac, tac. Voilà. Et enfin parti de chez moi, enfin. Donc après, pour l'instant, on va faire des matériaux basiques, hein, mais quand on se lancera dans... on rasera tout quand on se lancera dans le dur du dur, quoi. Juste les dimensions de ta maison faudra donner. Ok, alors pour l'instant, ça c'est du 7 par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc tu as deux rectangles de 7 par 13.
Racletman qui est sur le serveur. Damn. Hop là. Je te mets en user pour que tu aies les droits de casser des trucs, etc. Faut que tu découvres au coup, mon cher Raclette. Ah, ta maison, pas la commune. Ah. Ah oui, non, mais la maison, ça on fera plus tard. Parce que là, pour l'instant, c'est pareil, il faudra tout raser pour recommencer. Hein. Je ne sais pas encore quelle place j'aurai sur le serveur. J'espère qu'on va me laisser un petit bout de terrain. Hein. On a les quelques poutres qui sont déjà à peu près posées. Il va falloir beaucoup plus de bois. Je réserve ma maison dans la montagne. Bon, t'inquiète pas, avec toute la place qu'il y a sous les bords des rochers, normalement tu devrais pouvoir réussir. Non, faire la nation, j'ai cassé le champ. Tu devrais pouvoir réussir à te faire ta maison. Hop là, il faut que je refasse une houe. Oh, on peut faire fiche. D'accord, très bien. Hop, on met les petites fleurs là. La route en flèche ici, les petits bonnes ici. Oh, le charbon, ça en prend ça. Charbon là-dedans. Quand on y pense, les potions, c'est un peu de la drogue. Oui. Pourquoi tu veux devenir vendeur de potions? Donc t'as bien là toi. Toi aussi. Ah, coffre à bouffe. La boum. Voilà. Ça de la pisse, ça va là-haut. Très bien, très bien, très bien. Où en étais-je? Un petit arc. Pas de flèches, ça c'est cool. Ah oui, un dealer sur ton serve. Voilà, à côté de ma maison, faites un espace un peu sombre. D'accord. Bah, tu le feras toi-même quand tu rejoindras le serveur. Tu vas bien réussir à trouver un moyen détourné pour rejoindre le serveur, mon petit G-Coin. La canne à sucre, de la redstone et de la poudre d'os. Je suis pas sûr que ça fasse beaucoup d'effet, mais ok. Bref, il va falloir, oui, on disait beaucoup de bois. Est-ce que ma chère Florine a récupéré beaucoup de bois? Non, pas des masses non plus. Oh. Et j'ai qu'un oak sapling. Oh, mais dis donc. Ah, mais il y a des oaks là-bas. Ah, trop chiant. Donne-moi un peu de terre là. Voilà. Eh non, 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 non. J'hésite à enlever les explosions des creepers. Vous en pensez quoi? Ou au moins dans la zone. Genre on fait la zone de la ville où il n'y a pas d'explosion de creepers. Parce que sinon il va y avoir des cratères de partout, ça va être trop chiant. G-Coin qui dit non. Non mais on garde les dégâts, mais on enlève les trous quoi. J'avais pensé à un musée commun ou mes achèvements du serveur. Ah ouais, c'est pas con. Pourrait y avoir ça. Un petit musée. Et donc, on n'y voit rien. Ok, là, ça a l'air bon. Putain, mais ça rend ouf, hein, que les mecs, ils ont réussi à coder le fait que les feuilles tombent quand tu coupes les branches. Mais, ils ont quand même laissé ça, que ça dure 3 heures.
Pourquoi? Non, ça permet de créer une barrière anti-mob. Quoi? On est bien en 1.18? Ouais ouais, on est bien en 1.18. De quoi tu parles qui fait des barrières anti-mob? Oula, y'a un trou. Alors, mange un morceau. Voilà. Les sapping, j'en ai 6, cool. On va y voir par là-haut. Petit minage de bois bien tranquille. On a récupéré quelques saplings et à côté de la maison commune, on va faire une grosse plantation de bois. Comme ça, ça permettra. Que tout le monde puisse se servir pour construire leur maison, etc. L'explosion des keepers les contrer en créant une grande barrière autour de la ville, une muraille quoi. Oui, d'accord. Enfin, ça c'est. Faire une muraille et tout, c'est bien pour lutter contre tous les types de monstres quoi. Parce que vraiment, si on se fait chier à faire une super ville, etc., puis un jour on casse 3 lampes parce qu'on n'a pas fait exprès, et qu'il y a un vieux creeper qui spawn et qui pète un bâtiment qu'on s'est fait chier à construire, je pense qu'on va faire la gueule. Tandis que tu te fais réveiller dans ton lit par 3 zombies qui te font le fion, c'est triste mais c'est rigolo. Tant que ça pète pas les constructions, moi ça me va. Donc ouais non, je pense que je vais faire toute la zone autour du lac qui genre pas de... pas d'explosion de creeper qui font des trous dans la map quoi. Parce qu'en plus c'est chiant après, il y a des trous partout, c'est moche. Hop là. Sinon sans rapport, 1.17, ils ont ajouté les paratonnerres, pensant en mettre si c'est pas déjà fait. C'est quoi? C'est juste le risque de se prendre un éclair sur la tronche? Bah franchement, ça va. On devrait pouvoir réussir à gérer, non? Ça arrive pas non plus toutes les deux jours. Et Vince est parti. Il reste des gens sur serveur? Oui, on a Racketman, Kizino et Atomic. Bien. J'ai un peu de bois. J'avais planté tous les arbres là-bas, par là-bas. Ah mais attends, j'ai pas mal de bonnes mille. Je vais en prendre un ou deux stacks. Et j'ai replanté aussi les carottes que j'ai cassées l'autre jour. Sinon Florine elle va me faire la gueule. Bam, bam, bam. Ah, hop. Je casse celle-là, là. Il y a eu deux carottes, nickel. Voilà. L'éclair est centré vers un endroit, ce qui permet de faire des choses dans les labos avec des éclairs comme transformer des villageois en sorcières. Quoi? C'est génial! C'est pas mal. On va voir que j'explore toutes ces possibilités. Ah oui, je vais récupérer ça. Les gens sur le serveur, petit dodo time. Hop, si vous avez pas de lit, déco please. Allez, 1 sur 4. Les éclairs transforment certains mobs. Oh, c'est cool!
Ok, on est à 2 sur 3, Rakasman a quitté. Il reste quelqu'un. Qui c'est qui reste? Bien. Qui c'est qui dort pas? C'est Atomic? Atomic, casse-toi! On va te coucher! Bouge ton cul! Ah voilà, merci. Merci Atomic. Les visages en sorcière, les cochons en cochon brebis, les creepers en creeper superchargé. Ah la bonne idée. Alors toi tu vas aller dans l'eau. Non, va dans l'eau. Putain, enfoiré. Saleté de creeper. Il n'y a pas eu des eaux, pas de soucis. Le creeper qui troll team, mais totalement. C'est un creeper quand ça pète dans l'eau, ça pète pas le décor. Et bah voilà, commence à avoir pas mal de la population là-dedans. Et cool. Ok, voilà, j'ai planté la masse de saplings. Comme ça, on va reboiser cette forêt, enfin cet endroit. Imbécile. Voilà. Hop. Vas-y, donne-moi un petit sapling, s'il te plaît. Docteur Decoin. Ah, c'est vachement bien ça, Docteur Decoin. Ça fait Docteur Jekyll. Ah, j'aime beaucoup. Docteur Decoin et Mr. Harlow. Deux faces d'une même pièce. Un scientifique fou et un grand psychopathe. Mais j'ai pas eu de sapling avec tout ça? Dis donc le jeu, tu pourrais arrêter de me chier dessus? Ah, il m'a complètement chié dessus. Très bien. Salut Nova! Comment il va Nova? Toujours pas de sapling. Bon, écoute, moi ça va pas trop mal. Un peu dur la journée, mais je suis bien content d'être là avec vous. Du coup, sans vous rajouter du travail, les mobs enfermés, les SVP, passifs et hostiles. Quoi? Qui est le moi psychopathe? Oui, c'est toi. Ça y est, j'ai enfin trouvé le fjord. Ah! Mais t'avais les coordonnées pourtant. Voilà, merci. De toute façon, toutes les créatures non hostiles, on les a tous parqués là-bas. Donc tu pourras en récupérer à volonté. Puis les créatures hostiles, de toute façon, ça spawn pendant la nuit. Donc tu pourras te faire plaisir. Voilà, on va replanter tout ça. Et on va pouvoir se mettre à la construction. Ça parle, ça parle de lien. Oui, mais j'ai galéré à trouver la bonne direction. Ah, tu n'es pas un grand habitué de Minecraft, mon cher athlète.
Voilà, on va replanter quelques saplings, et ça va nous faire une grosse forêt ici. Parfait. Ça sera du bois à volonté. Les plus durs à voir, genre les fantômes. Oh, tu te démerdes, hein. Oh, là, là, là. Ah, mauvais bouton. Ah. Bien. On a les bases de notre maison commune. Plus que... Encore une poutre ici. Ah. Maintenant. Hop. On a quelques planches. Petite tête de craft. Deux stacks pour commencer, ça sera pas mal. On fera les fondations après. Pour l'instant, faisons extérieur, on s'occupera de l'intérieur après. Comment... Voilà, petit truc comme ça avec quelques fenêtres, quelques petites lucarnes là. Voilà. Alors pour l'instant je fais un truc très basique histoire que juste ça fasse... un endroit où les gens peuvent se poser au tout début. On redesignera ça quand il y aura besoin. Putain, sans faire exprès, j'ai fait des bonnes proportions. Il y a de quoi mettre deux fenêtres à chaque fois et tout, c'est cool. Quand j'y pense, Time, t'es un peu un psy. Genre, on te raconte nos problèmes sans te demander les tiens, c'est triste. Non, en vrai, je vous parle de ma vie quand même régulièrement. Hein, je vous parle de mes problèmes, de ce que je fais, etc. Non, il y a un côté un peu partage. Hein, alors, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, parfait. Tac, tac, tac. Voilà. Ce sera pas mal comme petite comme première petite maison. Genre centre commun. On a les anecdotes de Dim. Ah, et quelles anecdotes. Vous vous souvenez tous de la célèbre flèche dans la gueule et l'arbre qui a coupé l'électricité dans tout un village. Et de la batte de baseball, etc. Enfin, l'œuvre de la vie du troubadour savoyard. Sinon, vous avez trouvé des villages? J'ai pas encore vu de village, non. D'ailleurs, Kizino Senpai, si t'as envie de passer pour faire de la fioriture au niveau de la déco d'ici, tu es le bienvenu. Moi, je fais un peu le truc fonctionnel, les plans du truc. Après, si tu veux mettre des fioritures pour rendre ça joli, fais-toi plaise. Mais ouais, non, je pense que je vais pas faire très tard ce soir. Je suis encore bien crevé. Et puis j'ai pas trop de conversation aujourd'hui. Puis en vrai, c'est cool, on aura bien avancé. Il y aura eu beaucoup de gens sur le serveur et tout. Les gens commencent à faire leur petite maison. Cette aventure est en train de prendre pied, c'est cool. Euh...
Y a 10, ce qui fait que 1, 1, 2, tac. 1, 1, 2, tac. Et 1, 2. Parfait. Le pauvre. Il est fatigué, notre petit dimension. Ouais, il est crevé. Il est épuisax. Voilà. Et il y a eu un petit... Il y a un petit flow, il y a un petit truc. Construire un bar, une taverne. Ah oui, ça c'est important ça. Ça c'est obligatoire même. Alors pour le sol, oh là, pardon. Je me demande s'il y a un truc à faire avec l'espèce de basalte noir là, le truc des tréfonds de mes genoux là. Ouf. C'est qui Zaylee? Bah c'est Gizali, c'est un viewer. Un viewer comme un autre. Pourquoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais faire? Ah, il va y avoir pas mal de bois à aller récupérer là-bas. Et oui, je vais voir les roches noires s'il y a moyen d'en faire quelque chose. Donc c'est cobblestone deep slate. Alors, si j'en mets 4. Ah, polish deep slate. Ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a moyen de s'en faire un petit sol? Oh, c'est pas mal. En vrai, moi j'ai utilisé ça pour me faire mon petit sol. Est-ce que ça se cuit? Non. Ça, ça se cuit. Ouh. C'est le plus grand dictateur après Pouletto. Quoi? Demande à Atomic pourquoi raclette. Quoi? Horrible, je peux pas revenir à cause de l'heure. Ah, dur. Dark Omega, de toute façon moi j'ai pas tardé et en partant j'éteindrai le serveur. Je sais pas, il m'a pas confiance et qu'il dit tout, il se trompe de salon, mais genre ça se voit que certains sont... Ouf, tu sais, moi j'aime pas trop qu'on discute deux heures de sujet en live. Ça, ça rend quoi? Mais c'est pas pareil que l'autre. Ah ouais, c'est pas beaucoup mieux. Non, arrête. C'est nul. Par contre, les polycheds, là, c'était où les polycheds? Polycheds, je trouve ça cool, par contre. Il y a un petit flow, les polycheds. On essaie de voir si on met ça sur le sol, si ça, comment ça rend. Comment ça se dit, deep slate. J'en prends plusieurs. Voilà, et j'ai deep slate ici, ça je peux l'éjarter. Voilà. C'est chiant à miner, c'est plus résistant que la cobble. Ouais, ouais, ça c'est... j'ai bien vu. J'ai bien vu. Mais à un moment j'ai voulu miner à l'ancienne, tu sais, faire un truc profond pour aller trouver du diamant. Pas très efficace aujourd'hui de faire ça, hein. Ah, tu te fais bien chier. Déjà, j'étais à fond dans la deep slate, là. Et en plus, tu peux rien craft avec. Bah si, tu peux me faire de la polychette deep slate, là. Et je pense à me faire un sort pas dégueu, un sol pas dégueu pour ma petite maison commune. J'ai juste fait une pièce dans ma grotte et c'est tout, j'aurais voulu avancer mes rip. Oh, t'inquiète. Ça au prochain live. Tu sais, vu que ça sera ouvert que pendant les lives, il va avancer doucement ce petit serveur. Mais voilà, vous allez vous faire vos idées, vous préparer vos trucs, etc. Puis dès que le serveur sera ouvert, ça sera go 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 go. Ah, mais c'est de la merde ce bouclier. Enlève-moi ça, merci.
Mais ouais, comme je disais, je vais pas faire très tard moi ce soir. On a mes maux de ventre commencent à revenir. Les médicaments sont en train d'arrêter de faire effet. Réouvre-moi ça, s'il te plaît. Merci. Mais non, mais pas ça. Pourquoi es-tu si corrompu, Time? Ouais, si, ça marche bien. C'est un sol un peu sombre, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Atomique est de retour. Pour jouer un mauvais tour. Ça a du flow. Cool. Ah. Attaque de fantôme. Désolé, de mi ton pull au vert. Elles où les grosses mythes? Il y a de l'agression dans l'air. Elles osent pas jusqu'à moi. Bande de petites peureuses. Hello, hello, hello. Ah, plus qu'à finir ça, on aura déjà un seul. G-Coin, mes futurs cobayes, venez à moi. G-Coin est en train de péter un câble. Et bah, bonne nuit tout le monde, bonne nuit Dark Omega. À la prochaine. Voilà. Alors, est-ce que j'aurai assez? Oui, je vais avoir assez, nickel. Merci. Oui. Ben voilà. J'avais fait une soirée musique, très bien. C'est quoi, vous avez appelé une soirée musique, vous étiez mis en mode karaoké? Ah ça y est, d'accord, il y a tout le chat qui fuit, ils vont tous aller chanter sur mon serveur Discord. On va essayer de pas s'énerver. C'est de ta faute ça, raclette. Voilà. Là faudrait remettre une poutre. Pour refaire un étage en dessus. Avec nous, Time, tu mets la musique en fond car on parle pas. Quoi? Ah, mais je joue en live. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Vous pouvez dormir? Allez, go. Au dodo. Allez, tout le monde, soit dodo, soit vous quittez le serveur 2 secondes, le temps qu'on passe la nuit. Zoom, zoom, zoom. Voilà. Je pense que le défi architectural, ça va être d'intégrer cette maison-là, parce que du coup, elle va être recouverte des pancartes de tous les gens. C'est bon, Clatman, tu peux rejoindre. Parce qu'en fait, ça sera recouvert de tous les noms. Donc en fait, ce qui serait bien, ça serait de l'intégrer à l'intérieur d'un bâtiment. Genre le musée. Genre c'est ici que tout a commencé. Au lieu de la musique que tu mets à chaque fois. Bah elle est bien la Lofi. Alors l'autre, tu critiques pas la Lofi Girl. La Lofi Girl, c'est la vie. Oh des putains de foirés! Petit bâtard, ça a failli être le... Ça a failli être l'apocalypse cette histoire.
Par contre, du coup, Florine va faire la gueule. Parce qu'on a plus le... plus le tapis qui permettait de rentrer dans le truc. Il y a un représentant de l'ONF sur le serveur, quoi? De quoi tu parles? L'Office National des Forêts? Alors, ça peut être quelques poutres. Oui, l'Office National des Forêts. Allez, je l'ai quasiment fait au pif. Trop content. Ah bah du coup, ça peut être ton rôle, Sarah Clatman. Le garde forestier, représentant de l'ONF. Très bien. Le monsieur qui dit on plante quel arbre où? Ah non, telle essence de bois, non vous déconnez là, ça a rien à foutre là. C'est pas du tout le bon climat. Alors, dégadec et tec et tec. Moi ça. Merci. C'est tout coupé ou faut attendre 3 plombes que, pour voir quel truc que j'ai oublié? Ah si, il y en a un qui est là. Voilà, ça devrait tomber maintenant. Monsieur Atomique. Toujours dans les mauvais coups celui-là. Je vais chercher des essences endémiques. Bonne chance! C'est vrai que pour l'instant on est un peu pauvre en essence de bois dans le coin. Charte-moi ça. Oh, il y en avait 9! Eh ben, dame! Dame les gens! Oh, je suis tombé sur TikTok sur un clip de JDG. Il m'a fumé le con. Je crois qu'il devait jouer à un jeu genre YouTube Simulator, un truc comme ça. Et puis il dit, oh là là, d'accord, il y a des influenceurs de partout. C'est une ville remplie d'influenceurs. Vous imaginez le bordel? Oh, faudrait mettre des commissariats devant toutes les écoles. Il m'a tué le con. Je l'ai vu aussi. Elles sont sympas ces lives au JDG. Mais c'est une autre ambiance dans les vidéos. Hein. Lui, il a vraiment une distinction assez énorme entre ses vidéos écrites et ses lives. Kizino, bientôt fini. Ouh. Ah oui, je vois ça de loin là. Vache. Ah, ça tombe bien, c'est à peu près le même style de toit que j'ai envie qu'il soit fait sur le serveur. C'est qui a planté cet arbre n'importe comment là? Oulalalalala, Racletman il s'énerve. Racletman il prend son boulot beaucoup trop à cœur. On est foutu. Ces arbres. C'est Racletman ça? Non, ça c'est Atomique. Ah non, ça c'est moi ça. Ils sont très bien ces arbres. Mais écoute, c'est parce que j'ai besoin de bois pour faire ma maison. Bien, j'ai combien là? 53 de bois. Vas-y, on met les poutres. Juste à côté de ma maison. Ouais. Mais c'est pour le bien commun. Tu seras bien content à Catman quand tu auras un lit dans la maison commune.
Voilà les petites poutres. Non. Vas-y, pose-moi ça là-dessus. Boum, 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 boum. Mais c'est pas vrai. Tu es bien nul aujourd'hui, mon cher Dim. Oh putain. Seigneur Ronfleur, je ne reviendrai pas là. Non, mais ça devrait bien se faire. Ça devrait se mettre pas trop mal. Je pense pas qu'il y ait de Ronfleur. Deux, trois, quatre, cinq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah mais j'ai pas avoir assez de bois. Ah bah non, c'est nul. Allez, on remet des bonnes mille. Et on fait des bois OGM. Vite, avant que Rocketman ne voit que je fais du bois OGM. Là, sinon, je pense que je vais me faire fumax. Après maison, je dois faire un putain de pont. Ah, ça! Là, t'as un sacré pont à faire pour rejoindre la civilisation. Mais il va être important, ce pont-là. Il va être très important. Voilà. Non, c'est pas du bois OGM, tout va bien. Il n'y a pas du tout de glyphosate là-dedans. C'est pas du tout sulfaté. Tout va bien. Il est en train de regarder le reste des arbres en l'air, là, les feuilles qui flottent avec un dépit. En mode, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Il laisse pas le temps aux arbres de pousser. Je quitte, bon live. Ok, G-Coin, bonne soirée, à la prochaine. Hop, jette-moi ça. Bien, je vais faire le tour, récupérer quelques saplings. Voilà, on va reploter un peu dans le coin. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer dans le coin? Non. Hein. Ah merde, je suis pas encore sur le bon écran là. Ah mais c'est pas vrai. Mais attends, j'étais en là. Oh, il y a la petite Luffy en haut. Le chat était tout petit. Du coup, ça devait être un peu moins fluide pour vous, ça devait être moins bien. Arlo, il a tout vu. J'ai combien? 32. Ah, va peut-être pouvoir finir au moins les poutres. Ça serait pas mal. Merde. Dim fait des bêtises, mais non. Tout va bien. C'est quoi ces accusations à l'arrache là? Voilà, les poutres sont finies. Ce sacré pont. Moi! Moi, un sacré pont! Moi! Non mais. Ce sont des calomnies. Des canélonies, je le savais. Évidemment. C'est bien en modé la construction. En pas modé, c'est moins bien. On se fait un peu plus chier en pas modé. Des carabistouilles. Oh, c'est beau comme mot ça, carabistouille. Ça vient d'un certain type de patelin ou. On est dans du français régulier là. Dans quel genre de campagne?
L'autre jour, c'est un ami qui me faisait remarquer. Tu sais, je lui disais, ouais, je suis savoyard et tout. Ah ouais, dans ma région, les vieux de la vieille, est-ce que ça picole et tout Puis il fait, mais t'es quand même au courant que tout le monde, toutes les régions de France, tu demandes si dans la région ça picole, tout le monde dit, ah bah les vieux de la vieille dans la région, ça picole, hein. Les bourguignons, les alsaciens, les bretons, les normands, tous picolent. Et puis les parisiens aussi, ils picolent. Bon, ils se droguent aussi, mais ils picolent. Vraiment, la France entière picole. Faut arrêter de dire, ah non, dans notre région, ça picole plus et tout. Non, 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 non. La France entière, elle picole. Ah, mais nous, on a la gnôle, mais nous, on a la... On a la gentiane, mais nous, on a la goutte, nous, on a le calva. Non, tout le monde picole. La gnôle, c'est de la gnôle. L'alcool fort, c'est de l'alcool fort. Et à un moment, faut arrêter de déconner. Alors oui, vous n'avez pas les mêmes plantes, ça fait des trucs différents d'un endroit à l'autre. Mais globalement, toutes les régions de France, ça picole. Ah bah je pense que c'est du patois. Oui, il y a le côté patois où chacun a le mot différent pour dire son alcool qui passe par l'alambic, qui est 10 fois trop fort, qui désinfecte autant que ça étanche la soif, quoi. Mais toujours est-il que voilà, tout le monde picole. Bon, est-ce qu'il y a des arbres qui ont poussé? Ah, il n'y a rien qui a poussé. Et bah, il y a donc. Un joueur comme ça, ça va pas. Hein. On va y mettre un petit coup de GM. Vous pouvez dormir. Allez au dodo. Allez tout le monde au dodo. Nous à Bordeaux, on a le Bordeaux. Oui, bah oui, 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 bah, tu m'étonnes. Certaines régions plus que d'autres, du moins tiennent mieux que d'autres. Ou bon alors ça, vraiment, si t'arrives à me faire un classement des alcooliques. Allez au dodo tout le monde. C'est bon, ça passe. Voilà, 22h30. On va peut-être pas trop tarder, là. En plus, je commence à avoir mal au crâne, en plus. Tu sais, il y a des jours, ça va pas... Oh, bah, dis donc... Il y a eu de l'air qui est passé dans ma gorge, c'était pas un roux. C'était ça fait bouger mes cordes vocales, ça fait un... Et bah dis donc. Classement des alcoolos, première position, les Russes. Ah oui, non, attendez, moi je vous parlais de la France. Hors France, oui, hors France, là il y a un classement. Là il y a moyen de. En dehors de la France, oui, je suis complètement d'accord. Il y a complètement moyen de faire un classement. Et clairement, je pense pas qu'on est les premiers. En premier, Russie. En deuxième, tous les voisins de la Russie. En troisième, les voisins des voisins de la Russie. Et puis tu fais un schéma dégressif, plus tu t'écartes de la Russie. Ah. Non mais sérieux. Le jeu qui veut pas de toi. Voilà. Les Polonais. Bah si, c'est les voisins des voisins de la Russie. Là, ça picole. Eh ben, on va se refaire une hache. Youi ! Et ma hache. La vodka. Oui, un peu de ça. La vodka, c'est un peu un argument d'autorité dans le domaine. Un peu under stress. Yep là, je dois bien avoir quelques bâtons qui traînent dans le coin. Non, j'ai même pas de bâton. Mais si. Voilà. On va peut-être en faire une deuxième de hache. Voilà. Je vais stocker toute la terre que j'ai en rab parce que franchement, on s'en fout. Polichette Deep Slate, j'en ai fini avec vous. Bien. Allez, on y retourne.
Il y a des Russes qui sont morts alors qu'ils avaient plus à boire pendant le confinement. Alors ils ont attaqué le gel hydroalcoolique. Oh là 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 là. Oh non mais il est débile. Tiens, il y a une anecdote très très folle et très sympathique. Qui est quand même... C'est quand même possible que ce soit faux cette histoire. Mais c'était, je sais pas, je pensais Russie, du coup je pensais froid et ça fait penser à ça. C'était sur un bateau porte-conteneur. Et il y avait un mec qui était en train de préparer un conteneur à faire une traversée d'une mer ou quoi, tu vois. Et dans le bateau. Et c'était un conteneur réfrigéré. Et malheureusement, il se fait bloquer à l'intérieur. Et le mec est en mode merde, j'ai de la bouffe, j'ai un peu de tout, etc. Mais le problème, je vais crever de froid, quoi. Parce qu'il fait, c'est un conteneur réfrigéré, je vais crever de froid. Et donc le mec, il s'est mis dans un coin avec sa doudoune et tout, puis il est mort de froid, quoi. Et ils ont retrouvé le mec vraiment cause du décès, hypothermie et tout. Sauf que le porte-conteneur, il était pas branché. Enfin, le conteneur n'était pas branché, il n'était pas froid. Et le mec, ils l'ont vraiment retrouvé mort de froid. Alors que, il n'était pas si froid. Et voilà, la légende raconterait que... c'est qu'il s'est tellement persuadé qu'il allait mourir de froid que du coup, son corps s'est mis en hypothermie tout seul et il est mort de froid. Alors, Arlo nous a fait une version de Petit Papa Noël en mode Petit Papa Poutine. Mais personnellement, je suis assez contre, la mise en avant de ce dictateur. Donc, je ne vais pas la chanter. Mais... Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en mode « Ah, Poutine, machin, en vrai, il est badass, il est drôle, il chauffe des ours, etc. » Alors oui, c'est drôle. Mais il faut quand même remettre les trucs dans son contexte. C'est quand même un sacré dictateur qui est clairement... Oui, les dictateurs, oui, et je suis assez contre le fait d'en faire des vannes. Tu vois? Alors ça peut paraître évident d'être contre les dictateurs, mais en vrai, en faire des vannes, tu participes au fait de les rendre sympathiques. Et donc du coup, indirectement, tu soutiens un peu son truc, quoi, et c'est quand même très 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 largement homophobe, c'est très largement, la Russie de Poutine, c'est pas le monde des bisounours, quoi. Et quand tu vois tout ce qui s'est passé avec Alexei Navalny, l'opposant à Poutine, tu dis, ah bon, c'est ce genre de position politique, oui, d'accord. Mais, future maison de Atomic, et qu'est-ce qu'il nous a fait Atomic? D'accord, il s'est juste fait un trou. Ok, Atomic. Et nous avons Rocketman qui est en train de se faire casser la gueule. Voilà. C'est bon, Raclette. Je t'ai vengé. Bien. Poutine est aussi sage qu'Amaya. Je savais pas trop quoi dire. Je vais botter en touche pour celle-là. Ah, Kizno a fini la maison. Alors attends. Viens, on va aller visiter la maison de Kizno. Ouh, ça a l'air joli tout ça. J'ai tenté une maison à main nue. J'ai tenté une attaque à main nue. Ah ouais, je crois que ça s'est pas bien passé, hein. Amaya est pire. T'es encore là, Maya, ou pas? Pour savoir si j'ai le droit de dire du mal sur toi ou pas. En vrai, non. Amaya, elle est super. Elle dort. Ok. Non, t'as raison, elle est pire. Pire que Poutine. franchement, c'est assez cool.
C'est très très clean cette histoire. Pou 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 hein. Ah ouais, ouais, c'est pas chier le casino hein. Tout de suite il y a plus de il y a plus de gueule d'un coup hein. Alors ça manque peut-être un peu d'ouverture sur le sur l'étage. Ah et puis tu feras gaffe, ton toit il fuit un peu. Il y a quelques gouttes qui tombent. Bien. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas encore le pont. Et ben vous savez quoi? Je pense que nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Kino, il a pu finir sa maison. Du coup, je m'en voudrais pas trop. Moi, je terminerai la maison commune. Et j'espère que la prochaine fois, vous viendrez me filer un coup de main. Puis surtout que des gens viennent me filer des conseils en termes de déco, parce que pour l'instant il y a juste une base moche. Ce serait bien de rendre ça un peu plus joli. Bien. Ah non, j'ai le pont maintenant. Ah zut alors. Allez, moi je vous fais des bisous hein. Je vais me coucher, je suis claqué, je suis crevé. Et je vous fais des bisous et je vous dis demain soir sûrement. Ouais, demain soir. Oui, c'est sûr, demain soir. Et je pense qu'on continuera contrôle demain soir. Ça pourrait être cool. Des bisous tout le monde. Tchuss.